Salut tout le monde, c'est Julien Ross, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Super Mario Sunshine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui c'est samedi, ce qui veut dire que c'est le week-end également. Et du coup on va se reposer un petit peu avec un petit épisode de Mario Sunshine, bah oui voilà, en mode détente, en mode tranquille, hein. Maintenant vous avez compris, hein. Enfin ce Let's Play, pour moi tant qu'un Let's Play n'est pas un Let's Play 100%, pour moi c'est un Let's Play détente. Voilà, Sonic Generations, c'était un Let's Play plutôt sérieux parce qu'on l'avait fait à 100%. Mais là, puisqu'on ne le fait pas à 100%, c'est plus détente, juste l'histoire de passer du bon temps avec notre ami Mario sous le soleil pour nous rappeler que chez lui il fait beau. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a mis ses manches courtes, hein, Mario, dans cet opus. Tandis que moi, ben là, je vais pas tarder à sortir les habits d'hiver. Voilà, voilà. Bon, on va commencer du coup cet épisode directement avec un petit récap des soleils. Non, c'est pas ça que je dois faire, c'est ça, voilà. Alors, clic. On peut voir que Colline Bioko, j'ai 9 soleils. Port Rico, j'en ai 9. Gelato Les Faux, j'en ai 10. Parc Pina, j'en ai 8. Et Plage Serena, j'en ai 9. C'est-à-dire que voilà. Pour le moment, on a fait un petit peu tous les environnements. On a plus de soleil, on va dire, soleil principaux à récupérer dans les environnements que nous avons déjà débloqués. Du coup, nous allons découvrir un nouvel endroit, un nouveau biome, un nouveau, pas biome, mais un nouvel environnement, un nouveau monde. Et ce monde, il est là. Voilà. Et c'est la Benoki. Eh oui, la Benoki. Je regarde, est-ce que ça filme bien? Oui, ça filme bien, c'est génial. Et c'est parti pour la Benoki. La Benoki qui est, qui est pour moi plutôt, est le meilleur environnement de ce jeu. Je trouve que c'est mon environnement préféré parce que je le trouve joli, agréable à l'œil. Et il y a beaucoup de plateformes et j'aime beaucoup la plateforme, du coup voilà ça. J'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le petit? Ah bienvenue, tu dois être Mario je présume. Ta réputation t'a précédé. Quant à moi, je suis un vieil homme qui adore pêcher. Mais dernièrement, nous avons eu de légers problèmes. Regarde autour de toi et tu comprendras. Alors, il y a une vilaine taupe qui bouche, qui a mis un bouchon à une sorte de tuyau. Et qui est en train de tout polluer. On peut voir que l'eau est toute violette, toute mauvaise. Je ne sais pas qui est responsable de tout ça, mais nos magnifiques cascades sont complètement polluées. Et le pire, c'est que je ne peux même plus pêcher. Il faut que tu enlèves ce bouchon pour moi, je t'en prie. Quoi? Tu veux bien t'en occuper? Merci mille fois. Oh. Mais prends garde à la personne assise sur le bouchon. Alors, il y a deux types de jeux. On va se le faire en mode... Et la caméra est vraiment, vraiment mal éclairée. Hein. Ah, voilà. Ça y est. Voilà. On va le faire à la 36K d'usule. Il y a deux types de jeux. Les jeux qui te demandent si, oui ou non, tu acceptes une quête. Et les autres, ceux qui te demandent rien. Et ben là, voilà. Lui, je n'ai même pas eu le temps de lui dire oui ou non. Qui m'a forcé en mode, oh là là, tu veux bien le faire pour moi? Ben non, pas forcément. Donc voilà, vous avez compris que là le but, en plus l'épisode s'appelle le gardien du bouchon, c'est d'atteindre ce bouchon qu'il y a là-haut. Donc pour ça on va faire toute une phase de plateforme, plutôt sympathique. Alors là voilà, on monte en remplissant la jarre d'eau. Mais attention parce que hop, après ça part dans l'autre sens. Hein. On peut voir que les petits, comment on pourrait appeler ça? La petite gelée là forme une petite flèche qui sort de nous indiquer. Ça fait me penser un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous savez où Jack il est, je crois que c'est vers la fin du film. À un moment il va dans un endroit comme ça et... Enfin cette forme me fait penser à cela. C'est pour ça qu'on va la laisser, on va pas la nettoyer. Hop, donc on monte, donc vous pouvez voir que là c'est vraiment de la plateforme. Là déjà on sent qu'on arrive vers les derniers environnements parce que... si on maîtrise pas trop le saut retourné et les autres mouvements un peu plus complexes de notre ami le plombier, eh ben c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. D'ailleurs, on peut voir que là, il y avait un dauphin. Petit clin d'œil au nom de code de la GameCube, hein, qui était Dolphin, ce qui veut dire dauphin en anglais. Ouais, là, je peux pas trop régler mieux que ça la lumière, je suis navré. Quoique, je pourrais peut-être tenter... Attendez. Petite ellipse, je vais essayer de régler la lumière de la caméra. Avant de commencer, c'était génial, et là maintenant c'est parti en vrille. Allez, à tout de suite.
Bon voilà, de retour. Bon, j'ai ouvert un petit peu mes stores en espérant qu'il y ait un peu plus de lumière qui passe. On verra bien, ça filme bien. Oui, ça filme bien, c'est nickel. C'est nickel. Donc on continue notre ascension, hein, tranquillou, tranquillou. On va quand même faire attention parce que on est à la moitié de notre réservoir d'eau. Et si on n'a plus d'eau, ben on n'est pas dans le caca. What? Attends. Comment? Oh, de l'eau, nickel. Alors ça, c'est typiquement le truc qui peut nous faire glisser jusque tout en bas. Ok. Là, vous voyez déjà que là, ça, c'est assez complexe à maîtriser. Enfin, complexe, oui et non. Mais faire un saut mural sur des murs qui ne sont pas parallèles, c'est un peu complexe. On peut voir que ça faisait une sorte de tête de mort ici. Là, j'ai juste un petit peu voilà, nettoyé sans faire exprès. Et là, regardez, on dirait que ça fait un oiseau. On dirait l'oiseau de Twitter. Nintendo avait trouvé le logo de Twitter avant sa création. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Ici, y a rien, ok. Oulala. Et là-bas, il y a des trucs, hein. On va aller voir. Je suis un peu curieux. Oh la vache, ok. Ça se fait. Ouais, en jet. Ça se fait. Enfin, pas si large que ça quand même. Hein. Mais bon. Hop. Hop, on monte. Non, me dis pas, c'était juste un simple passage alternatif. Pour aller en haut. Enfin, pour revenir à l'endroit d'où j'ai sauté. Attends, c'est peut-être pour une pièce bleue en fait. Ah non! Bon, c'est en partie pour une pièce bleue. Mais ça nous permet d'avoir la catapuse. Attends, parce que là, il faudrait que j'arrive. Voilà, bon là, on a la pièce bleue. C'est cool, et ça nous permet de débloquer la catapuse. Ah, ça... Non! Oh non, j'aurais dû prendre la catapuse avant. Oh merde, bon ben, je vais remonter tout ça. Oh putain, bon, je pense qu'il va y avoir une ellipse le temps que je remonte au niveau de la catabuse. Parce que voilà, l'ascension, vous l'avez vu, je vais pas vous la remontrer une seconde fois. Putain. Donc je pense que je vous dis, on verra, enfin je verrai bien ce que je ferai au montage en fonction de la durée de l'épisode. Mais moi je vous dis à tout de suite en tout cas. Peut-être que là, je dis ça, mais peut-être que là vous allez continuer à me voir jouer. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah on se retrouve, putain. Bon, j'ai dû recommencer le niveau carrément parce qu'en fait, le piège c'est que ce trampoline, est-ce que j'arrive à le montrer? Voilà, là vous voyez, alors c'est pas la perspective, non non, il est vraiment devenu tout petit. Et là, c'est-à-dire qu'on peut plus s'en servir. Le trampoline est à utilisation unique en fait. Et du coup, bah, j'ai essayé plein de manières pour essayer d'arriver en haut, donc en passant par d'autres chemins, en essayant de sauter d'un point qui était plus haut que ça et tout, j'ai pas réussi. Du coup là, bon, du coup j'ai quitté le niveau, j'ai recommencé et là voilà. Donc là on a débloqué la catabuse, comme ça on l'aura pour les prochains soleils. Et ça c'est cool. Comme ça moi ça c'est fait, ce qui est fait n'est plus à refaire. Donc là on va se jeter un peu en mode poum, ok. Moi je tombe de... Vas-y. Aïe, ça fait un peu mal. Vas-y, non. Doucement, comme ça. Arrêtez de me faire du mal. Je suis Mario, respectez-moi. Oh putain, mais c'est qu'ils me font vraiment mal en fait. Hop, on va faire. Bim. Hop là, donc là, c'était là où on était. Voilà, c'était là, vous souvenez, on était ici, qu'on après on était allé voir à côté. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Non, je voulais pas te faire ça, désolé. Oh, es-tu Mario, le vieil homme que tu viens de voir, et mon grand-père, Maître Dayo. Mon rebouchon est un peu plus loin, mais fais attention au type bizarre qui est assis dessus. Si tu t'en approches, il va te lancer des explosifs. Tiens, je t'ai apporté cette planche à ressort pour t'aider. Arrose-la pour la rétrécir et la porter plus facilement. Ah putain, en fait le trampoline se portait.
me sens tellement comme un abruti là actuellement. Vous pouvez pas savoir en fait. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et faut l'amener où? Moi je m'en fous façon que ta planche à ressort. Moi je passe comme ça. Je prends même la petite vie. Voilà. Et je ressors. Voilà, ici. On va lui renvoyer les petites bobombes en les arrosant. Et en faisant. Hop, vas-y. Passer. Oula, quel... oula là là. Eh, calme-toi, calme-toi. Calmez-vous. Oui, je l'ai eu. Non, non, non. Calme-toi. Allez, de deux. Et là, je pense ce que je peux faire. Et de trois. Voilà. Ah, mais c'est un secret, non. Non, c'est pas un secret. Ouais, le truc se pète, c'est bon. Et là, là, regardez ça. Pouf. Voilà, au revoir la taupe. Au revoir la petite taupinette. Et on a un magnifique soleil. Et la cascade peut à nouveau couler 2000 jets d'eau. Mais j'ai cru voir un truc juste au-dessus de nous. Ah oui, bon, on va pas y aller parce que ça c'est en fait pour un autre épisode. Enfin un autre épisode, un autre soleil. Bon voilà, ça c'est fait. Bon, j'aurais, enfin là, là j'en suis à 17 minutes de record, mais ça sera pas 17 minutes. Hein. Là, là on sera peut-être peut-être à 10 minutes, je pense, grand maximum 10 minutes et encore. Bon ben, il nous reste deux soleils à faire et cet épisode. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet environnement. C'était ça que j'étais en train de dire la dernière fois. Enfin, avant la dernière fois, avant qu'il y ait l'ellipse et tout ça. J'aime beaucoup cet environnement. Le boss d'Erwin piégé. Ah, le boss d'Erwin piégé. Donc là, on enchaîne avec un boss et on finira peut-être avec un petit secret, qui sait, pour le troisième soleil. Donc là, on va aller voir le grand-père. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Mario, merci pour ton coup de main, c'était vraiment spectaculaire. J'aimerais tellement être aussi fort que toi. Au fait, grand-père t'attend pour te dire quelque chose. Très bien. Bon, là, on a vu qu'il y a une pièce bleue, mais bon, puisque la lourde en fait est polluée, vaut mieux ne pas tomber dedans. Donc, on va pas aller la chercher, on ira la chercher quand on aura rétabli la normalité au sein de cet environnement. Oui, on va aller voir grand-père qui est là. Oh, excellent, monsieur Mario, félicitations, nos belles cascades sont de nouveau comme avant. Mais je ne comprends pas, l'océan est toujours sale, il semble que je me sois trompé, argue. Je crois deviner le problème, je vais devoir te révéler un des plus grands secrets de la Benoki. Attention, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tiens, à quoi ça sert ces petits points? Ah non, c'est juste qu'il y a des ruines, d'accord. Cette baie cache en fait le tombeau d'un ancien roi Noki. Quand tu envoies de l'eau sur les peintures des murs, un passage doit normalement apparaître. C'est presque de la magie. Et un de ces passages mène à un soleil caché. Juré ! Cette légende est vraie. Enfin, je crois. Bon, très bien. Donc, en gros, il faut trouver le soleil caché d'Erwin. Et pour ça, on va commencer à faire un petit peu de wall jump. Parce que ça faisait longtemps. Donc, voilà. Donc, le grand secret de toute une civilisation antique. C'est juste un putain de tombeau. Voilà. Donc, et là, on a... Oh. Donc là, on passe carrément dans la montagne. Hein. Et on ressort. On ressort ici. Et là, on peut monter ici. What, what, what? Oh, la vache. Oh, ça, je m'en souvenais pas, putain. Oh, ça m'a propulsé dans les airs, j'ai pas compris. Du coup, on est là. Et ici, ça vous permet de faire quoi, en fait? Parce que moi je vois rien en fait à faire depuis ici. À moins qu'on puisse encore monter en haut, mais on monte très 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 haut là. Non, on voit bien là qu'en haut. Ah, quoique. Non, en haut on peut pas monter là. On va essayer d'atteindre. Ouais, là-bas. On va essayer d'atteindre cette petite corniche. Ouais, à tous les coups c'est ça qu'il fallait faire. On va descendre un peu pour voir si on a rien loupé. Non, il semblerait que ça soit bon. On va même descendre jusqu'ici carrément. Donc ici, il y a véritablement rien. Ok, non mais c'était pour voir, s'il vous plaît. On sait jamais, hein, peut-être une pièce bleue,
un autre soleil caché, j'ai juré tout ça, tout ce que tu veux. Hein. Oh putain. Oh putain, mais attends. Je vais réussir à remonter là ou... Ah bah oui, je suis con si je fais comme ça. Hop, voilà. Hop, et nickel. Allez, un autre petit passage. Attends, c'était tout ça pour ça, ton passage à la con, t'es sérieux? Où est-ce que je dois aller? Peut-être là qu'il faut que j'aille en vrai. On peut voir qu'il y a un passage ici. On va aller voir. Allez. Allez, 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 allez. J'ai peut-être pris le seul chemin qui n'était pas bon. Hop. Et le chemin à prendre, alors ça serait lequel? What the f... Hein? Alors, je suis tombé en chute libre, je n'ai pas pu faire de mon jet. Et pendant ma descente, j'ai eu ma manette qui tremblait. Et on a eu le bruit comme si j'avais activé quelque chose. Genre comme si on nettoyait toute une zone. Et que t'avais un élément de décor qui sortait de ça. Mais on n'a rien vu. C'est très 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 étrange. Là, je vous avoue ne pas avoir bien tout compris. On va essayer d'aller là. Là, vous voyez? Ça tremble à mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez. Attends, attends, attends. Tu t'arrives pas à prendre cette pièce? Tu fous de ma gueule, là, Mario, quand même. Ah, voilà. Un peu de persévérance. Et ça passe, hein. Allez. On va pas faire de remarques sur cette magnifique expression. Et là, il n'y a rien. Mais si, y a un truc. Enfin, y a rien. On va essayer d'aller là. Il n'y a rien. Oh putain, en fait, il y a des pièges. Tous les coups, c'était pas là qu'il fallait aller. C'était juste un tout petit peu plus haut. Là, je suis en train, en fait, de faire tous les passages pour récupérer toutes les pièces bleues que je m'en fiche totalement. Et ça va pas me saouler bien longtemps, ça, par contre, les gars. J'ai dit juste avant que j'aimais beaucoup cet environnement. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. Attendez, c'est là qu'il faut que j'aille, non? Oula. Avec la magnifique cam... Ah... Ah, mais oui! Il disait les peintures, ça fait des passages dans les murs. Ah putain, mais je suis trop bête. Il n'y avait pas de peinture là. Non, il n'y en avait pas. Putain. Arrête, 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 fais pas ça, fais pas ça. T'as plus d'eau. T'as plus d'eau. Ok, c'est passé. Et là, il y a quoi? Il y a rien. C'est un trou pour un trou, ça. Donnez-moi de l'eau. Ah! Petit passage. Toi, tu me donnes de l'eau, hein. Non, même pas, putain. Oh, d'accord, ok. Oh là là là, ok, ça ne rigole pas. On va récupérer la pièce bleue, quand même. J'ai l'impression qu'on va récupérer toutes les pièces bleues de ce niveau, c'est un truc de malade. Ok, donc là, on a quoi? Ça, 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 et ici, on a... Non, alors là, on a un passage en saut mural. C'est très clairement... une affaire pour notre petit plombier moustachu. Oh d'accord, ok, bon, ça va. C'est pas ce que je voulais faire, mais au final c'est passé quand même. Ok, donc on est dans un petit, un sorte de mini labyrinthe. Ah putain, en plus ça se refermait. Vite, 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 vite. D'ici que ça aussi ça se referme. Non. Non, vite. Ok. Ok, il fallait arriver ici. Et là, on l'a pété. Enfin, en le pétant, ce type. Eh ben. Hop, en le pétant, vous allez voir. Attrape. Voilà, et de une. Ouais, donc, lui, on l'avait déjà vu dans Port Rico. Hein, souvenez-vous. Si vous vous souvenez bien, on l'avait vu dans Port Rico. On l'avait vu deux fois dans Port Rico, même.
Là on le voit une troisième fois. Ça c'est peut-être un des points négatifs qu'on pourrait donner à ce Super Mario Sunshine. C'est que... Merde. C'est que les boss... C'est que les... Les boss se répètent un petit peu. Quand même. Genre là le... Le Bloops... Ça fait la deuxième fois qu'on le... Enfin ça fait la troisième fois qu'on le voit même. Hein. Donc ouais, ça c'est peut-être un petit peu dommage. De pas avoir une plus grande variété au niveau des boss. Mais bon, que voulez-vous. Après ça reste quand même un très très bon jeu. Moi je dis pas le contraire. Super Mario Sunshine est quand même très très bon. Ça ne vaut peut-être pas un Mario Galaxy ou un Mario 64. Mais c'est clairement pas... vraiment, c'est très clairement pas un des pires. Hein. Surtout niveau difficulté. Parce que... Il a une difficulté quand même... Il a une bonne difficulté quand même. En plus avec les problèmes de caméra et tout, ça rajoute encore plus de challenge. Et Mario, il y a quand même un petit temps d'adaptation pour apprendre à le maîtriser. Et là maintenant, voilà, nickel, on va recharger notre jetpack. Il n'y a pas de pièces bleues. Non, bon, on s'en fout. Et là, regardez où on arrive. Hop. Boum. Voilà, on est là. On arrive dans les ruines et si on regarde par la fenêtre... Oh, mais c'est que c'est beau, c'est que c'est mignon. C'est que c'est... là, les ruines, voilà. Arrête. Voilà, merci. Ah, putain, soleil, il y a un petit peu pas prise de tête, mais fallait quand même réfléchir un petit peu parce que... Fallait pas se tromper au niveau des passages et tout. On peut voir qu'il y avait... C'était... Ça partait un petit peu dans tous les sens. Ouais, j'aime bien. Donc voilà. Ça c'est fait. Et il me semble même que là, ben là on a eu combien de soleil? On en a... On en a, vas-y, affiche-moi le nombre de soleil. 53 soleils, mais il me semble que là, ben je suis... j'ai le même nombre de soleil que j'avais dans ma deuxième partie solo. Parce que j'avais une partie solo... Ah non, c'est les pièces rouges. Ah mais merde, il n'y aura pas de secret aujourd'hui. Parce que j'avais une partie solo où j'avais 70 soleils, un truc comme ça, ou 78. Une deuxième partie, et ma deuxième partie solo, j'en avais 58. Enfin, pas 58, n'importe quoi, j'en avais 52 ou 53. Et là, on en a 53, du coup, voilà, on a égalé ou dépassé ma deuxième sauvegarde, en gros. Je sais, c'est la solution à mes problèmes. Il va juste falloir que tu atteignes le fond de l'océan. Je sais que c'est impossible pour l'instant, c'est pour ça que j'ai créé cette zone, pour que tu puisses t'entraîner. Abracadabra, dans la bouteille, tu entreras. Tada! Tiens, mets ça. Cet équipement te permettra de rester longtemps sous l'eau. Utilise ton jet pour te déplacer et collecter des pièces. Mais prends garde, si tu commences à manquer d'air, attrape des pièces jaunes pour remplir ta réserve. On y va? Oui. Après, c'est pas totalement réaliste, hein, parce que ça, c'est quand même pas mal de la magie. Hein, rentrer dans une bouteille... Plus, voilà, la bouteille, tout à l'heure, elle était posée sur un socle. Maintenant, elle flotte dans les airs. Ok. Ok, j'ai déjà... Ok. Oh, putain. Ok. En gros, voilà. On va devoir trouver le meilleur itinéraire pour les pièces rouges. Oh, bug pas. Eh oh, lâche-moi. What the f... Eh mais... Attends. Il y a quand même pas mal de bugs. Là, je ne peux pas descendre prendre la pièce. Vas-y. Mais... Vas-y. Prends-moi cette pièce. Il se cogne contre un mur invisible. Oh. Attends, me dis pas qu'il y a un courant d'air... Enfin, un courant marin dans une... Putain de bouteille comme ça. Quand heureux qu'il n'y a pas de temps, hein, parce que là, le temps, je serais bien dans la merde. Hein. Vas-y. Tu vas te mettre au niveau des pieds. Ok, bah si, au fait, il y avait un courant. Ah, ça, c'est totalement ridicule, par contre. Allez. Dire que si je crois que je me souviens bien, il y a un boss à faire comme ça. Arrête, arrête, arrête. Retourne par là. Hé. Faut faire comme dans Wally en fait. Voilà, tu fais des petites impulsions.
Oh joli, joli. Oh joli. Bon, je peux aller sur le sable, hein, ça c'est sûr. Ok, il m'en manque deux. Ah oui, c'est là qu'il y a le fameux secret, enfin le easter egg de la... En fait là, je vais vous le montrer. Parce que c'est ma... C'est easter egg super connu. Et il faut que je vous le montre. Voilà, ici. Ici, il y a une porte. Vous voyez, elle est là, la porte. Il y a une porte, sauf qu'on peut pas l'ouvrir. Mais si on regarde à travers en jouant avec la caméra... J'ai réussi à le voir, là. Là, vous voyez, dans le coin, on peut voir qu'il y a un livre. Et voilà. Et en fait, ce livre, apparemment, y a des mecs, en minant un peu le jeu, ils auraient découvert qu'à l'intérieur, il y aurait écrit... Je crois qu'à l'intérieur, il y avait écrit... Shigeru Miyamoto ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était juste une signature. Voilà. Donc ça, c'était un easter egg. Un easter egg rigolo. Que je voulais vous montrer parce que, bah, c'est un easter egg super connu. Donc voilà, si vous le connaissez pas, eh ben maintenant, vous le connaissez. Et j'ai pas loupé une pièce, là, parce que j'en avais pas 7. Ah non, j'ai eu les 8 pièces. Bon, bah, nickel, ça. Allez, let's go. Ah bah non, le plus difficile, arriver à prendre le soleil. Non, reviens. Attends, parce que ça... Ok, c'est bon. Ouh. Bon ben voilà. Nickel, ça, j'en suis à combien? Je suis à 32 minutes. Ouais, faut bien que j'enlève bien 5 minutes. 5-7 minutes de quand j'étais en train de me battre pour atteindre le sommet du truc. Du coup, ça fait un épisode de 25 minutes. C'est cool, tranquillou. Bon, Mario Sunshine, voilà, on avance un petit à petit. Petit à petit, là, voilà, il nous reste 6 soleils à faire dans cet environnement. Enfin, pas 6, il nous en reste 5. 5, 6, 7, 8, ouais, 5 soleils à faire. Puis après, il nous reste encore un dernier environnement. Et après, ça sera le boss final. Du coup, là, si on compte, il nous reste encore 2 épisodes pour la Beno Keep. Donc 3 soleils dans le prochain épisode et on fera 3 soleils dans le prochain épisode. Donc après 3 épisodes pour le dernier environnement, donc c'est-à-dire que là on a déjà 5 épisodes. Plus on va dire 2 épisodes de soleil de pièces rouges. 5, 6, 7, 8, 9. Et l'épisode final ça fait 10. Il reste à peu près, hein, voilà, on va dire qu'il reste à peu près 10 épisodes. Voilà. C'est-à-dire que dans 10 épisodes, ben, ça sera la fin de Mario Sunshine, qui sera remplacé par un autre let's play. Mais, je ne vous dis rien. Car le prochain let's play, je prépare quelque chose de gros, d'impressionnant, de phénoménal. Et j'espère que ça vous plaira. Et aussi de plus récent. Parce que c'est vrai que Sonic Generation et Mario Sunshine... Bon, Sonic Generation était déjà un peu plus récent, mais c'est vrai que Mario Sunshine date un peu. Là, je vous prépare quelque chose de plus récent. Beaucoup plus gros et de beaucoup plus préparé également. Sur ce, merci de regarder cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce vert si la vidéo, enfin si l'épisode vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode de Mario Sunshine. En attendant, passe un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye bye.